Salut à tous! On se retrouve aujourd'hui pour une petite news qui va intéresser les fans d'Atari parce que 25 ans après, Atari va revenir en arcade. Voilà, en salle d'arcade avec des bornes non pas faites par Atari, faites par une autre société, Alan One. Alan One, c'est un petit rapport un petit peu avec Tron. Voilà, sûrement un fan de Tron. Et ils vont revenir en salle d'arcade avec des bornes. Par contre, pour l'instant, les jeux qui sont annoncés, c'est des versions de leur jeu rechargeable, et c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Alors déjà, je vais vous montrer voilà, la société qui va sortir les bornes d'arcade. Alors attention, ce sera peut-être pas comme ça les bornes. Hein. Là voilà, mais c'est la société Alan One qui va sortir un jeu en arcade, et il nous montre la borne d'arcade. Qui va sortir, on est très loin du design japonais, des Atomic Wave, des Astro City. Hein. Ça c'est le jeu qui doit sortir, Alien Knight. Voilà ce qu'ils font pour l'instant comme borne d'arcade. 2 joueurs, 4 joueurs, Mastoc avec des lumières de partout. Ici, on peut voir leur site encore un petit peu style Tron. Donc pour l'instant, il n'y a pas d'annonce. Là, il n'y a pas d'annonce majeure sur leur site. Mais ici, on va aller voir les bornes. Mais là, il y a le modèle pour 2 joueurs avec un grand écran. Le modèle pour 2 joueurs. Donc eux, ils vont sortir un jeu. Voilà, un jeu qui n'a pas de rapport avec ceux d'Atari, mais c'est pas tellement le style de jeu. Moi, je m'attends à trouver un seul d'arcade. Mais de ce que j'ai vu, ça va être un système aussi. Vous pourrez avoir sur smartphone une application pour sauvegarder vos scores, ou revenir sur la borne, faire les meilleurs scores. Donc voilà, ça c'est un jeu qui est intéressant. Vous voyez, c'est le système de ligue qui est là justement. Voilà, il y aura peut-être ça sur les machines d'Atari. Après, ouais, on dirait un jeu Android smartphone. Donc le problème, c'est comment seront les jeux? Parce que ça, c'est les versions rechargeables. Voilà, qui existent, je crois, pour la VCS et les consoles modernes. C'est ces jeux-là qui doivent ressortir. Alors apparemment, ils seront modifiés pour les salles d'arcade. Mais je vous avoue que je devais aller dans une salle d'arcade. En fait, d'ailleurs, c'est plutôt des salles d'amusement. Vous payez par exemple 15$. Voilà, pour jouer à différentes machines. C'est peut-être pas le truc qui m'éclaterait. Après, il y a toujours un aspect nostalgie sur lequel joue Atari. Donc là, vous avez vu Astéroïde. Berserk aussi, qui est sorti en version rechargeable. Voilà, ça peut être sympa peut-être pour jouer à plusieurs. Mais autant, je paierais pour aller jouer à Street Fighter en salle d'arcade, Crazy Taxi. Pour ça, je suis moins enthousiaste. Alors, dans les classiques des classiques, il y a aussi Missile Command. Voilà, l'arcade classique. Donc, il doit sortir normalement 10 licences. Il y aura 10 machines d'arcade. Il y aura 10 modèles. Est-ce que les machines d'arcade seront différentes? Je sais pas. Qu'est-ce que seront les modifications des jeux? On ne sait pas encore, mais on le saura bientôt. Parce qu'il y a un salon à Las Vegas qui arrive en mars. Voilà, l'Amusement Expo du 18 au 21 mars. Et normalement, la société Alan One va montrer sa nouvelle borne d'arcade et devrait montrer un exemplaire des bornes Atari. Voilà, 4 joueurs de 100 compagnies. Donc il va falloir attendre un petit peu, mais je pense qu'on en saura plus d'ici 2 semaines. Mais voilà, c'est 25 ans après, bah ouais, Atari revient dans les salles d'arcade. Donc apparemment, surtout aux USA. Grâce à Alan One, qui fait un partenariat, qui va sortir des machines d'arcade, sur lesquelles on aura les jeux rechargés d'Atari. Voilà, ils ne se compliquent pas la vie, ils font pas des nouvelles licences, en fait, ils prennent des anciennes, ils les améliorent, et hop, ils revoient ça. C'est un drôle de concept, mais ça marchera peut-être. Hein, l'Atari 2600 Plus, c'est bien vendu. Et vous savez qu'Atari parle peut-être de ressortir d'autres machines d'époque. Voilà, d'ailleurs, bientôt, il y a l'Atari 400 Mini qui arrive, mais ça, c'est fait par RetroGame. Donc écoutez, voilà pour les news pour les fans d'Atari. Une ressortie des jeux version rechargeable, version modernisée. Les grandes licences d'Atari. Missile Command, Astéroïde, Berserk. Voilà, là, vous avez un petit peu les licences. Gravitar. Breakout, Yars, Quantum, je connais pas, Black Widow, Gouverneur Mars. Donc là, il y a 9 jeux. Et il parle de 10 jeux. Donc on connaît déjà 9 des 10 titres. Restera à voir comment ils seront. Donc allez, écoutez, moi je vous laisse là. Et puis si jamais on en sait plus dans 2 semaines, ben, je vous ferai une petite vidéo pour vous montrer voilà, les nouvelles machines d'arcade d'Atari. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser vos questions, vos commentaires. Un petit pouce si vous avez plu. Et moi je vous dis à bientôt pour une vidéo. Ciao tout le monde!